on va aller et les autres viendront nous rejoindre en cours de chemin. Alors les amis, bonsoir à tout le monde. Comme vous savez toujours, à chaque fois qu'il y a des sujets très importants, à chaque fois qu'il y a des trucs un peu complexes, je fais appel à notre invité. Et je pense qu'il va nous dire beaucoup plus aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Vous voyez la zizanie au sommet de l'État et tous les Guinéens aujourd'hui se posent une même question. Qu'est-ce qui ne va pas à la tête de l'État? Qu'est-ce qui ne va pas au sommet de la République très très démocratique d'Alpha Condé? On a vu Alpha nous dit qu'il est en vacances. Après, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était des vacances pour se traiter. Et après, il y a eu le décès de la fille de Kasuri. Kasuri qui a pris son vol aujourd'hui à Paris. Mangan va nous dire beaucoup plus là-dessus. Et Kasuri qui a été remplacée par un communiqué, chose qui est anormale. Normalement, cela se fait souvent à travers des décrets. Si je ne m'abuse, il faut quelque chose de bien, de juridique au fait. Mohamed Djané remplace Kasuri à la primature. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Après, de passage, nous allons voir aussi la mort du général Toto, paix à son âme. Okay, c'est un Guinéen comme nous autres, c'était un musulman si je ne me trompe pas. Et nous avons ces quelques sujets aujourd'hui à déballer. Et notre invité cher, Mangan Sidi Bey, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous dire beaucoup de choses là-dessus. Et avant de commencer, je dirais tout simplement que, vous voyez, on ne force personne à venir nous écouter. Je ne force personne à écouter Mangan Sidi Bey. Tous ceux qui estiment que ce qui se dit ici, ne reflète pas de la réalité, ce n'est pas de la vérité. Vous êtes plié de quitter ici. C'est simplement que ça. Vous n'avez rien à foutre ici sur cette page-là. Moi, quand j'invite quelqu'un, je veux un maximum de respect. Mais si vous estimez que ce que la personne raconte, ce n'est pas du vrai, alors quittez. Je vous en prie. Allez-y ailleurs. Parce que ce que vous voulez entendre, vous n'allez pas entendre ici. Mais si c'est de la vérité crue que vous voulez, alors restez. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, j'aimerais que vous soyez des personnes sages, des personnes nobles. Mangan n'est pas à insulter. C'est notre invité. C'est un frère guinéen, c'est un journaliste en exil. D'accord? Il n'est pas à insulter. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, je vous en prie, allez-y voir ailleurs. Ne venez pas raconter des bobards ici. Vous n'êtes pas obligé. Je n'appelle personne. Personne. Mais si vous êtes là, c'est pour écouter la vérité crue. Je réitère encore une fois, Mangan n'est pas à insulter. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vos parents. Allez-y voir ailleurs. Que vous soyez militant de l'UFDG ou militant du RPG Arc-en-Ciel ou simple Guinéen, si vous n'êtes pas d'accord avec Mangan Sidi Bey, allez-y voir ailleurs. On ne vous oblige pas. Mais je ne comprends pas souvent, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais dès que Mangan Sidi Bey sort sa tête, vous venez massivement. C'est quoi la sorcellerie? Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne voulez pas voir sa tête, mais vous aimez l'écouter. C'est quoi la sorcellerie? Alors, mesdames et messieurs, moi, sur ma page, il n'y a pas de sélection. Les gens qui sont abonnés sur ma page, je ne les connais pas. On dit souvent, oh, les commentaires, c'est des peules, oh, c'est les peules qui sont abonnés sur ta page. Est-ce que je connais quelqu'un? Je ne connais personne. Les gens sont venus pourquoi? Parce qu'ils aiment la vérité. Parce qu'ils s'identifient en nous. Il s'identifie à Mangan. Il pense que cette page-là, ce n'est pas une page n'importe laquelle. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec Mangan, allez-y voir ailleurs. Là où on parle, on vous fait plaisir. Ici, on ne fait plaisir à personne. On dit la vérité crue. On ne fait plaisir aux militants de l'UFDG. On ne fait plaisir aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Nous, on cherche la vérité. La vérité. Ce qui se passe en République de Guinée, au sommet de l'État. Donc, s'il vous plaît, un maximum de respect pour Mangan Sidi Bey. Un maximum de respect pour cette page. Parce que c'est les personnes responsables qui nous suivent. Ici, ce n'est pas n'importe qui nous regarde. Donc,
C'était justement une petite parenthèse avant que je ne laisse la parole à mon cher frère et ami Mandjan Sidibé, nous décortiquer un peu ce qui se passe à la tête de l'État. Donc, Mandjan, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie, mon frère Fama. Je remercie nos millions d'auditeurs. Je remercie tous ceux qui regardent votre page, tous ceux qui s'y abonnent également. Bon, par rapport à la mise au point que vous venez de faire, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Ils n'ont qu'à m'insulter. C'est un choix que j'ai eu à faire. La vie est un choix. J'ai choisi aujourd'hui d'être du camp opposé à Monsieur Alpha Condé. J'ai choisi aujourd'hui de suivre Monsieur Seydou Deleng Diallo. J'assume mon choix. Au moment aussi où j'avais choisi Alpha, j'ai assumé mon choix. Mais Alpha n'est pas quelqu'un qui honore ses engagements. Alpha n'est pas une personne à suivre. Alpha n'est pas un exemple. Donc, j'ai estimé que monsieur, je ne m'identifie pas à Monsieur Alpha Condé et qu'il fallait voir ailleurs. Donc, ceux qui viennent m'insulter, j'en suis très heureux. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Qu'ils insultent mes parents, qu'ils insultent ma mère, qu'ils insultent mon père, l'essentiel pour moi, si ils ne m'ont pas écouté, ils vont pas m'insulter. Donc, pour moi, le fait de m'écouter est le plus important. Ça veut dire, s'ils m'insultent, ça veut dire que le message est passé. Et c'est le plus important. Le reste n'est que fait divers. Donc, s'ils m'insultent, Fama, laissez-les m'insulter. Laissez-les insulter mes parents. Ça veut dire tout simplement que le message est passé. C'est ça. Donc, en matière de communication, quand vous communiquez, ça ne choque pas. Ça, il faut revoir votre méthode de communication. C'est une réalité. Voilà. Donc, en matière de communication, on ne doit pas s'offusquer quand on est insulté. Parce qu'il faut se mettre à leur place. Lorsque vous êtes à leur place et quelqu'un vous critique comme ça peut vous faire mal parce que lorsque vous savez que ce qui est dit est vrai et que la personne, si elle continue d'aller plus loin, risque de mettre le pied dans le plat, vous faites tout pour la distraire. Et donc, ces injures, ces grossièretés, ces insanités sont faites juste pour nous distraire, pour tenter de nous détourner de l'essentiel. Je crois que c'est peine perdue, parce que moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. C'est Monsieur Fama qui est choqué. Moi, j'en suis heureux que vous m'insultiez, que vous insultiez mes parents. Parce que si je n'étais pas utile, si je n'étais pas, si je n'avais pas une certaine valeur, ben, personne n'allait s'intéresser à moi. Vous vous intéressez à moi, vous insultez mes parents, parce que vous décelez à moi une certaine qualité, une certaine valeur. Merci pour vos injures alors. Parce que vos injures dénotent d'une certaine appréciation que vous faites de ma personne. Qu'elle me soit favorable ou pas, mais de toute façon, vous faites une appréciation de ce que je fais et de ma personne également. Je vous en remercie. Le fait de me suivre massivement, de m'insulter massivement, moi, l'essentiel est que le message passe. Et si vous m'insultez, c'est parce que vous m'avez suivi. Le message passe. On passe à l'essentiel, Fama. Alors, ceci dit, continuer à m'insulter, ça ne me fait ni chaud ni froid, comme je vous l'ai dit. Donc, on va commencer. On a trois thèmes aujourd'hui. La Ouais. cacophonie qui est 14 h, heure de Paris, de M. Kassori Fofana qui a fait escale à Paris. Et donc, il est passé pour les États-Unis. Il s'est envolé à partir de Paris à 14 h, pile, heure d'Europe. Et donc, troisième sujet, c'est la mort du général Toto Camara. Ouais. On va commencer par le premier sujet. On va aller plus vite pour que on ne prenne pas trop de temps, qu'on ne retienne pas trop longtemps nos auditeurs. La Exactement. cacophonie qui prévaut aujourd'hui est survenue hier lorsqu'un communiqué a été lu sur les ondes de la RTG-RPG. Donc, la RTG-RPG a fait passer un communiqué hier qui était écrit à la troisième personne du singulier. Ça veut dire quoi? Alors qu'un acte de cette envergure, Ouais. il n'y a qu'un décret parce que cet acte relève
je ne l'appelle pas, je n'appelle pas M. Alpha Condé président, mais je suis en train d'interpréter la loi. Un tel acte relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Dès lors qu'un acte dépend du pouvoir discrétionnaire de l'État, du président de la République, le texte devait avoir une autre forme juridique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Sur le plan intellectuel, je n'ai rien à reprocher à M. Thibault Camara. Je n'arrive même pas à la cheville de M. Thibault Camara. Ça, je le sais. Que sur le plan intellectuel, je n'arrive même pas à sa cheville. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais sur le plan rédactionnel des textes administratifs, il a beaucoup à apprendre. Il a beaucoup à apprendre. En matière de rédaction administrative, il a beaucoup à apprendre encore parce qu'il se croit toujours dans une rédaction de journal. Il écrit les textes comme si c'est un journaliste qui écrit. Il a toujours le réflexe journalistique en écrivant des textes administratifs. Il doit faire la part des choses. Il a vraiment du mal à rédiger les textes administratifs. Donc, un communiqué qui devait être impersonnel, parce que soit on dit le président de la République décrète, ou bien il dit tout simplement, suite à l'absence programmée du premier ministre du pays, le président de la République nomme M. Mamadi Gané dans les fonctions de ministre par intérim. Mais le communiqué, ce n'était même pas... on parle même de communiqué, mais pour moi, ce n'était même pas un communiqué. Parce qu'il est tellement laconique qu'il commence par chose en raison du décès de tant. Un texte administratif ne parle pas comme ça. Un texte administratif ne parle pas comme ça. Il faut que M. Thibault revoie ce côté-là. Je l'ai dit et je le répète, que M. Thibault, quand il dort, ce qu'il voit, moi, mangeant éveillé, je ne vois pas intellectuellement. Je le reconnais, d'accord. Mais sur le plan administratif, je crois que je sais mieux écrire encore les textes administratifs que M. Thibault. Il doit revoir ça. Quand on a atteint un certain niveau dans l'administration, il faut revoir aussi. Et il faut accepter de soumettre tes œuvres aux autres pour appréciation. Et bien sûr, bien évidemment. La perfection n'est pas de ce monde. Quand on se croit, quand on se croit parfait, on croit connaître tout, on se trompe. Alors, donc, quand il rédige des textes comme ça, qu'il fasse appel à des personnes qui ont l'expérience à la matière. Il peut être intellectuellement plus dense que ces personnes-là, mais ceux-ci ont une certaine expérience en matière de rédaction administrative. Bien évidemment. Ils peuvent faire leur école sur ce plan. On ne peut jamais être parfait sur tous les plans. C'est pas possible. Donc, un communiqué qui nomme un premier ministre par intérim, c'est seulement en Guinée qu'on peut le voir. Et un communiqué qui commence par la troisième personne du singulier et à la fin, on dit M. Alpha Condé, le président de la République, M. Alpha Condé. Le texte devait en ce moment être impersonnel. OK. Alors, ça c'est un. De ce côté-là, il faut reconnaître aussi que hier, dès que moi j'ai entendu ce communiqué, ça m'a rappelé un tout petit peu le temps de Lansana Conté. Lorsque Lansana Conté était dans ses dernières heures, c'est-à-dire qu'il n'était plus lucide. Alors, donc, les gens se permettaient de prendre des décrets à son nom. Tout le monde le sait, les Guinéens le savent. On est allé jusqu'à imiter sa signature, mettre son cachet sur des décrets, et là, lui-même, parfois, il était surpris. Alors, donc, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le même scénario qui commence? Parce que M. Alpha Condé qui a fait une opération, il avait accumulé maintenant les problèmes de santé à Conakry, il ne sortait pas, à force de le bombarder de médicaments, bombarder, et finalement, vous le voyez même physiquement, il est devenu une loque humaine. Il est une loque humaine. J'ai récemment publié une de ses photos, quand vous le voyez dedans, on dirait une statuette. C'est pas possible. Il est devenu une loque humaine et il faut voir ses paumes. Quand vous voyez ses paumes à la télé, vous voyez ses paumes qui sont toutes blanches maintenant là. Alors donc, elle a un souci. Tout le monde a des soucis de santé.
Bien sûr, ça, c'est normal. Voilà. Mais quand c'est le président de la République, parce que pour être chef de l'État, il faut absolument être en possession de ses qualités mentales, physiques, intellectuelles et morales. Dès lors... C'est pas pour rien, on appelle la fonction la plus exigeante de la République. Exactement. Donc, dès lors qu'une de ses qualités fait défaut, la vacance de pouvoir est à déclarer. Exactement. Donc, M. Alpha Condé, actuellement, sur le plan lucidité, tout le monde sait qu'il n'est pas lucide. Il raconte trop de conneries, il raconte trop de blabla, et il fait des gestes vraiment qui ne font pas honneur à la République. Bien sûr. Il ricane en public, quelle que soit la tribune où il se trouve, il ricane, il fait des gestes, il tourne sur lui-même, on dirait dans une salle de cinéma, ou bien je ne sais pas, où il est en train de danser le dundumba, on ne sait pas trop. Un président de la République, quand même, il y a de ces gestes. Ça s'apprend même. Donc, le fait de faire un communiqué, moi, ça ne m'a pas rassuré. Je me suis dit qu'il doit avoir un souci au sommet de l'État. Bien évidemment. Et je l'avais dit, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines sur le même plateau, que M. Alpha Condé est capable encore de créer une zizanie. Dès qu'il sort de la Guinée pour s'absenter 1 ou 2 semaines, il crée toujours des zizanies parce qu'en sortant de la Guinée, il a augmenté le prix du carburant. Il crée toutes ces zizanies-là pour que les gens disent « M. Alpha Condé est gravement malade, il est mourant, il est chose. » Les gens vont s'occuper de ça. L'affaire de carburant, tout le monde va oublier. Je l'avais dit il y a 2 semaines. Je vous l'avais dit. Quand il devait sortir, j'ai dit « Ah, M. Alpha Condé risque de dire encore, si tu peux même remettre encore la vidéo, j'ai dit « M. Alpha Condé risque de créer une autre psychose pour dire qu'il est mourant ou bien il est mort dans un hôtel. » Et donc, ça va focaliser toutes les attentions. Ouais. Les gens vont oublier l'essentiel. Ouais. Cet essentiel à l'heure-là, c'est l'augmentation du prix des produits pétroliers. Avec les grèves qui s'en sont suivies. Ils s'en foutent. Donc, il vient, il crée une situation de psychose pour que les gens disent « Oh, M. Alpha Condé s'est fait opérer, il est gravement malade, il paraît qu'il est mort, il paraît qu'il y a ceci, il paraît qu'il est cela. M. Alpha Condé s'est fait opérer, mais M. Alpha Condé n'a rien. » Ouais. « M. Alpha Condé n'a rien. » C'est une manière de distraire les Guinéens. Les chauffeurs, accrochez-vous. Alpha n'a rien. Après, maintenant, il va sortir mercredi, il va prendre l'avion pour descendre à l'aéroport de Conakry, il va faire des gigotos, il va prendre des bains de foule à Conakry, que personne ne sorte, parce qu'il n'a absolument rien. Il est malade, c'est vrai. Il s'est fait opérer, c'est vrai. Mais toi et moi, toi tu le sais, la technologie est tellement développée en Europe qu'on peut t'opérer aujourd'hui et tu rentres chez toi. Exactement. Moi, j'ai été opéré des hémorroïdes ici combien de fois? On m'a opéré des hémorroïdes le matin. 2 heures après, 3 heures après, quand je me suis réveillé, il suffit seulement de pouvoir faire ses besoins. Dès que tu fais pipi, on te libère tout de suite là après l'opération des hémorroïdes. Alors qu'en Afrique, tu opères les hémorroïdes, c'est la mort. On opère ça ici. Dès que tu fais pipi, tu rentres chez toi. Il suffit de faire les besoins liquides et tu rentres chez toi. Alors, donc, j'ai subi l'intervention d'estomac ici, tout, de l'estomac. Tu le fais, 1, 2 jours, tu rentres chez toi. C'est le laser. C'est aussi rapide que ça. C'est pas comme l'Afrique. Donc, opérer la prostate, ils peuvent gratter la prostate ici sans l'opérer. S'ils ne veulent pas qu'on opère, ils grattent pour qu'on puisse diminuer le volume. Je ne suis pas médecin, mais je sais de quoi je parle. Bien sûr. Donc, ils peuvent gratter ici. On parle d'intervention. Et puis, ça ne l'empêche pas de rentrer. Mais il avait tellement accumulé que s'il ne venait pas maintenant faire cette opération, ça pouvait faire un blocage systématique et c'est la mort qui allait suivre. Ouais. Donc, il était obligé de prendre un congé, un supposé congé, de supposées vacances pour pouvoir venir se soigner. Parce que là, il avait tenu beaucoup. Il a tenu longtemps. Depuis le confinement de 2020. Donc, ça s'était tellement accumulé qu'il fallait qu'il vienne se soigner. Donc, Alpha n'était pas en vacances. Il est venu se faire opérer en Russie. Et ce sont des avions médicalisés qui se relayaient pour le transporter de la Russie, entre la Russie, la Turquie, l'Italie
Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est à Ankara, en Turquie. Ouais. Alors, donc, il est opéré. Ça, c'est une évidence. Il est opéré. Bien évidemment. Ça, c'est évident. Mais dire maintenant, il est mort, il est ceci, tout ça là, c'est pour que les gens oublient l'affaire de pétrole avant son retour. Exactement. Et pour qu'il aille tenir un discours sans queue ni de tête en disant les gens sont pressés. Valable. Pour ravir encore la vedette. Ravir la vedette à son retour, mobiliser des foules, que les gens vont courir encore derrière lui, faire des trucs. Quand on va sortir, finalement, tout le monde va oublier l'essentiel. Alors, ça c'est un aspect. L'autre aspect du problème, pour que M. Gané soit nommé hier, Thibault a fait aujourd'hui une petite communication dans les médias pour dire que, bon, écoutez, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, après le premier ministre Gané, parce que il est le ministre chargé des affaires présidentielles. Ouais. C'est bien beau, mais Thibault n'a pas dit quelque chose. Alpha a voulu mettre Thibault comme premier ministre par intérim. Ouais. Parce que vous savez que quand un ministre voyage, il faut un autre membre du gouvernement pour assurer l'intérim, parce que les secrétaires généraux des départements ne sont pas membres du gouvernement et ils n'ont pas accès au secret gouvernemental. D'accord. Même si tu es l'adjoint du ministre, tu ne peux pas assumer son intérim, sauf par décret. S'il y a un décret qui dit que les secrétaires généraux assument l'intérim des ministres limogés, là, en ce moment, même ça aussi, ce n'est pas évident que le secrétaire général vienne au Conseil des ministres. D'accord. Il écoute les affaires courantes, mais c'est un autre membre du gouvernement, parce qu'il y a le secret gouvernemental. C'est un autre membre du gouvernement qui va assumer l'intérim. D'accord. Et si le ministre est vivant et qu'il doit se rendre dans un autre pays ou bien il doit aller en mission où il est empêché, il revient à ce ministre-là, il revient à ce ministre de choisir son intérimaire. C'est le ministre qui choisit son intérimaire. C'est le ministre empêché qui choisit son intérimaire. D'accord. C'est quelqu'un de confiance qu'il met à sa place. Et c'est dans ce contexte que Kachori avait choisi Thibault. Et les gens du RPG ont pensé tout de suite là que M. Alpha Condé étant malade à Ankara, peut-être qu'il est mourant, peut-être qu'il est mort, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui se sont relayés pour venir le voir dans son lit d'hôpital. Les chercheurs le pointent. Le ministre des Affaires étrangères était venu le voir dans son lit d'hôpital. C'est-à-dire, après l'hôpital, après l'opération, il a fait sa convalescence dans un hôtel. Donc, les courtisans se sont relayés là. Chacun, les chercheurs de pointe. Le ministre des Affaires étrangères était venu le voir. Mamadi Gané lui-même, il était venu le voir. Il y en a qui disent aujourd'hui qu'il est rentré, qu'il n'est pas rentré. Chacun raconte ce qu'il veut. Ensuite, il y a ce qui a surtout attiré l'attention des gens, c'est le déplacement du général Namori Traoré. D'accord. Le général Namori Traoré, le patron des forces armées guinéennes, qui a fait le déplacement aussi pour venir voir l'état du président. Vous voyez que ça devient inquiétant. Oui, bien évidemment. Quand c'est le chef d'état-major général des armées qui vient voir l'état du président, ça fait dire à des militaires, à des paramilitaires et consorts, pour dire que l'affaire doit être sérieuse. Est-ce que le président n'est pas mort? Est-ce qu'ils ne sont pas allés en train de se rencontrer là-bas en Europe pour pouvoir préparer la succession d'Alpha Condé? Donc, ça provoquait trop de suspicions, ça provoquait trop de conjectures, ça provoquait tellement de commentaires que voilà, l'objectif de M. Alpha Condé a été atteint. C'est-à-dire détourner les gens de l'essentiel. Donc, moi, ce que je pourrais dire à nos millions d'auditeurs en résumé, c'est qu'un communiqué ne peut pas nommer un premier ministre. Et c'est Thibault qui était proposé, les RPJ se sont opposés catégoriquement. Ils ont dit que non, il doit avoir quelque chose, parce que si on met Thibault là, il va s'approcher de plus en plus du pouvoir. C'est vrai que Kassori a été consulté, mais Kassori n'avait pas le choix. Kassori est malade. Chaque 6 mois, Kassori doit aller se soigner aux États-Unis. Il en a été empêché depuis longtemps. C'est pour cela qu'il a voulu démissionner pour aller se soigner.
D'accord. Rien qu'en voyant le physique de Kassori, on sent qu'il est malade. Tout le monde sait qu'il est malade. Et chaque 6 mois, il doit aller se soigner. Alpha l'a empêché d'aller se soigner pour ne pas démissionner. Thibaut dit que ben, c'est pas la première fois que Gané assume ce rôle. Ouais. Mais que ça n'avait pas été rendu public. Qu'il le faisait à l'interne là-bas, que personne n'était au courant, sauf les membres du gouvernement, qui a plusieurs fois piloté le conseil interministériel en l'absence de Kassori. D'accord. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas le choix. Parce que Kassori a perdu sa fille. On l'a tellement empêché de sortir. Maintenant qu'il a perdu sa fille, ils n'ont pas le choix. Et Alpha sait pertinemment que si Kassori sort cette fois-ci, peut-être qu'il peut démissionner parce que les deux, tout le monde sait qu'à un moment donné, étaient à couteau tiré. Ouais. C'est vrai qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Juste, mais juste un instant, il faut bien préciser parce que le Guinée est très mauvais. Il n'a pas dit que Kassori va démissionner. Il a dit peut-être. Ouais. Donc, c'est pas sûr. Peut-être. Mandja n'a pas dit que Kassori va démissionner. Il est allé démissionner aux États-Unis. Hein. Il dit peut-être. Parce que le Guinéen est très mauvais. Ils peuvent prendre ça pour dire « Ah, c'est Mandjan qui a dit que Kassori va démissionner. Kassori, maintenant, est de retour en Guinée. Mandjan, c'est menthe. » Il a dit « Peut-être. » C'est dans le « Peut-être. » Alors, mon cher, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, Alpha est en train de prévoir tous les scénarios. C'est-à-dire, prévenir vaut mieux que guérir. Exactement. Au cas où Kassori démissionne, il n'y aura pas de vide juridique en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Au cas où Kassori démissionne dans ce contexte-là, dès lors qu'il y a un premier ministre par intérim qui a été nommé avant la démission, ça veut dire que le gouvernement reste en place. Ouais. Mais si Kassori démissionne, avant qu'il n'ait un intérimaire, tout le gouvernement part. Exactement. C'est ça la loi. Oui, bien sûr. Donc, Alpha ne veut pas démolir ce gouvernement-là actuellement. C'est un gouvernement de récompense. C'est un gouvernement de béni oui-oui. Des gens qui obéissent à ses ordres. C'est ce vide juridique-là qu'ils ont évité en nommant Gané en attendant. Si Kassori démissionne ou bien quelque chose arrivait à Kassori entre-temps, le gouvernement n'est pas obligé de partir. D'accord. Parce que dès que le premier ministre, dès que le premier ministre démissionne, c'est tous les ministres qui sont débarqués en même temps. D'accord. Et là, ça peut provoquer une autre crise dans le pays. Alpha est en train d'éviter que tout le gouvernement tombe un seul jour pour qu'il soit encore ramené à mettre une autre équipe gouvernementale en place. Donc, c'est pour cela que Gané est nommé. Et là, les RPJ sont pensés que l'état de Alpha était grave à Ankara et qu'il fallait quelqu'un de leur rang Gané pour assurer l'intérim parce que pour eux, il y a un souci du côté de Alpha. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, des informations font croire que Alpha doit rentrer le mercredi. Qu'il va écourter ses vacances, il va rentrer le mercredi, mais les médecins, il sera accompagné d'une équipe médicale. Et il doit revenir encore, il a rendez-vous à l'hôpital. S'il part, il ne fera pas plus d'une semaine ou 10 jours, il doit revenir. À moins qu'il prenne en charge les frais des médecins, mais même si on prend les frais des médecins pour aller suivre le soin, poursuivre les soins à Conakry, on ne peut pas déplacer la logistique. Exactement. Ça va poser problème. Bien l'équipement. Évidemment. L'équipement médical. On ne peut pas le déplacer. Il y a certains équipements qu'on ne peut pas déplacer. Donc, s'il rentre mercredi, c'est sûr et certain qu'il doit revenir pour ses soins. On est d'accord? D'accord. Dernier sujet, le cas du général Toto. Le général Toto part. Oui. Avant d'entamer ce troisième sujet, j'aimerais qu'on apporte une précision sur cette affaire d'Alpha Condé, vacances, maladie. Il faudrait que les Guinéens sachent que tout le monde peut tomber malade. On n'est pas là pour dénigrer. Qu'Alpha Condé tombe malade ou pas, on n'est pas là pour dénigrer cela. Alpha Condé, c'est une personne âgée. Nous avons nos parents en Guinée qui tombent tout le temps malade. Tout le monde peut tomber malade. Qu'on soit vieux, jeune, tout le monde peut tomber malade. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un dénigrement. Alors, que Kassori parte aux États-Unis, qu'il démissionne peut-être, ce n'est pas un premier en Guinée. Lonsen Fall, je pense bien qu'il a fait. Il a démissionné au temps de Lansana Conté, si je ne me trompe pas.
Donc, ce n'est pas une première en Guinée, ça ne sera pas une dernière. Et remplacer un premier ministre, on n'est pas là pour dénigrer. C'est pas quelque chose de grave. On a vu en Côte d'Ivoire, tout près de la Guinée, il y a deux premiers ministres qui sont morts. On les a remplacés. C'est pas un problème. C'est pas un premier cas, ça ne sera pas un dernier. D'accord? Qu'Alpha Condé mette Mohamed Diané, ministre intérimaire, ça, c'est pas un problème. Les ministres intérimaires, on le fait partout dans le monde entier. On n'est pas là pour dénigrer, mais on est là pour apporter la clarté sur les choses pour que les Guinéens comprennent comment les choses se déroulent et pourquoi, le pourquoi et le comment. On n'est pas là pour dénigrer, on n'est pas là pour saboter, mais on est là pour apporter la lumière. Mandjan est là pour apporter la lumière. Il faut que vous compreniez ça. On n'est pas là pour faire plaisir aux militants de l'UFDG en expliquant ça et fâcher les militants du RPG arc-en-ciel. Non, nous, on est là pour le peuple. Pour le peuple de la République de Guinée. Il faut que vous compreniez cela. Alors, qu'Alpha Condé meure demain ou Alpha Condé continue, ce n'est pas un problème. Mais on est là pour apporter la lumière. Qu'est-ce qui se passe pour que les Guinéens comprennent? Parce que toute la Guinée aujourd'hui se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'explication de ce qu'est-ce qui se passe, c'est ce que Mandjan est en train de donner. C'est pas il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Exactement. Rien, absolument rien. Alpha est malade, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'il devait provoquer une telle cacophonie au sommet de l'État. C'était prévisible. Dès qu'il sort de la Guinée, après avoir posé un acte ignoble, tel que l'augmentation du prix du carburant, il passe par tous les moyens pour distraire les Guinéens. Point barre. C'est de la distraction, c'est du divertissement. Voilà. Il est en train de... Voilà. Voilà, vous pouvez continuer sur le dernier sujet qui est le cas de Général Toto. Alors, le général Toto, il faut dire que le général Toto a été abattu par la maladie, par le stress et par, je ne sais pas comment, il a eu trop de chocs. Ouais. Il a eu trop de chocs. Il a eu des chocs. Il a été inculpé par la CPI dans le dossier du 28 septembre, avec la bénédiction de monsieur Papa Koly Kourouma. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est Papa Koly Kourouma qui a fait qu'on a inculpé Toto. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir sur le plateau de Radio Planète FM, paix à son âme, l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, qui m'a dit que ce jour, il m'a tout expliqué, même l'affaire d'eau empoisonnée. D'accord. Il m'a dit, Mandjan, je ne voudrais pas que ça passe sur les ondes, mais il n'y a jamais eu d'eau empoisonnée à Conakry. C'était une manière de distraire la communauté internationale. Ouais. Et tourner, voilà. Et donc, il n'y a jamais eu d'eau empoisonnée. Il dit, mais moi, Premier ministre, je ne peux plus parce qu'il y a le secret d'État. Même quand on n'est plus en fonction, il y a certains secrets qu'on n'est pas autorisé à divulguer. Bien évidemment. Il me dit donc que tu me permettras de ne pas parler de ça à l'antenne. Donc, on a parlé ça à Noft. Voilà. Et donc, il n'y a jamais eu d'eau empoisonnée en Guinée. Ça, c'est clair et net. Ok. Il m'a dit par la même occasion, pour l'affaire du 28 septembre, que c'est lui qui a pris l'initiative d'appeler. C'est ce choc qui a emporté aujourd'hui le général Toto. Ouais. Parce que même, il ne peut pas voyager. Il est inculpé. Mmh. Et il est obligé de se plier à la volonté de M. Alpha Condé. Ouais. Donc, il était stressé, il était choqué. Parce qu'il n'est coupable de rien. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est Jean-Marie Doré qui s'est déplacé pour aller voir Dadis. Il dit, mon fils, il faut nous laisser manifester. Il dit non, choisissez une autre date, pas le 28 septembre. Le 28 septembre est une date repère pour la Guinée. De discussion en discussion, Dadis a accepté. Il dit, c'est quand vous refusez qu'il y aura des problèmes. Vous nous laissez raconter tous nos blabla. Nous, on veut se faire entendre. La communauté internationale va nous enregistrer. Laissez-nous, après on rentre à la maison. C'est fini, mon fils. Ouais. À quelqu'un qui a assisté à cette réunion, a appelé M. Papa Koly Kourouma qui venait de prendre son vol. Et d'abord, avant de partir, Dadis a dit, c'est Jean-Marie qui me le dit, Dadis a dit à Jean-Marie Doré, va voir Papa Koly. Papa Koly n'était que ministre de l'Environnement, mais très puissant. Ouais. Parce que sa maman et la maman de Dadis sont intimement liées. Ce sont des sœurs. Donc, il avait une certaine influence sur Dadis. Les membres du gouvernement de l'époque de transition, ils le savent tous. Donc, il a eu le culot de dire, président de la République,
Lui, il dit encore à Jean-Marie Doré d'aller voir Papa Coli, avant que Papa Coli... Et tout le monde connaît l'histoire entre Papa Coli et Jean-Marie Doré. Exactement. C'est Jean-Marie Doré qui a sorti Papa Coli de l'ornière. Papa Coli mm-hmm. était le secrétaire général du parti de M. Jean-Marie Doré. Ouais. Et c'est Jean-Marie Doré qui a proposé Papa Coli pour la première fois dans le gouvernement de large consensus. Et c'est comme ça que Papa Coli est sorti de l'ornière. Donc, lorsque les forces vives avaient proposé des ministres, à cette occasion, Bahouri aussi a été nommé ministre de la réconciliation nationale. Bien évidemment. Donc, c'est comme ça que Papa Coli a été connu par le grand public. Sinon, bah, après son vol à Air Afrique, qui justifie sa richesse actuelle, parce qu'il a volé là-bas une valise diplomatique qui n'a jamais été retrouvée jusqu'au moment où je vous parle. Mmh. Et lui, aujourd'hui, il a le culot de s'enorgueillir pour dire qu'il est riche, qu'il est millionnaire en dollars. Il est millionnaire en dollars. Mais tout le monde sait que c'est une valise qu'il a dérobée à l'aéroport. Quand il travaillait à Air Afrique. Tout le monde le sait. Donc, Jean-Marie est allé sur le tarmac. Il est allé jusque sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia avant que Papa Coli. Papa Coli était sur le tarmac déjà prêt à embarquer avec Sékouba Konaté. Ouais. J'en ai parlé aussi. J'en ai parlé avec Sékouba Konaté. Tu sais qu'il n'y a pas de barrière entre Sékouba et moi à Paris. Exactement. Alors, donc, Jean-Marie s'est empressé pour aller trouver Papa Coli sur le tarmac. Il lui dit, bon, écoutez, Papa Coli, j'ai vu Dadis. Dadis me dit de vous voir. La réponse de Papa Coli était la suivante. Vous sortez, on va vous massacrer. Et ça a été un véritable massacre. Mmh. Il dit, vous sortez, on va vous massacrer. Si vous n'êtes pas convaincu, sortez, vous allez voir. Papa Coli a pris son avion, il est parti. Dadis a donné son accord pour que la manifestation ait lieu le 28. Il a été convaincu. Kegbro qui a assisté à cette réunion, Kegbro prend son téléphone pour appeler Papa Coli. Pour dire, ah, ton frère, il s'est laissé manipuler par le vieux, Jean-Marie. Il a accepté la manifestation. Il ne sait pas que ça va nous emporter. Papa, donc, comme Dadis a donné sa parole, il peut plus donner l'ordre de tirer sur la foule. C'est ce qu'on appelle la perquisition. Ouais. La réquisition, excusez-moi. Ouais. Donc, Dadis a refusé de signer la réquisition. La réquisition veut dire on donne l'ordre à l'armée de tirer. Alors là, les soldats deviennent des exécutants. En cas de problème, c'est celui qui a donné l'ordre qui répondra. D'accord. Quand bien même dans l'armée, il est dit que on ne doit pas exécuter tous les ordres. Quand l'ordre peut créer le désordre, le subordonné a le droit de refuser d'exécuter l'ordre. Mmh. Donc, Papa Coli a voyagé. Arrivé là-bas, quand Kegbro l'a appelé, c'est pour ça que tout ce beau monde-là est inculpé dans le dossier du 28 septembre. Voilà pourquoi Kegbro est inculpé maintenant. C'est Kegbro qui a appelé Papa Coli pour lui dire à Zérékouré, il était à Zérékouré avec Sékouba Konaté, pour lui dire, écoutez, si vous ne parlez pas à votre frère, il dit, non, moi je n'appelle même pas Dadis. Si on le laisse faire, il va nous faire couler. Il appelle Toto, ministre d'État à l'époque, numéro 2 de CNDD, ministre de la Sécurité. Il appelle Toto parce qu'il est déjà avec le ministre de la Défense à Zérékouré. Donc, il appelle Toto, numéro 2 du CNDD. Sékouba est très intelligent. Sékouba a vu le massacre venir, il a quitté la capitale. Ah, il est le seul du CNDD aujourd'hui à ne pas être inculpé. Il est très intelligent. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Papa Coli appelle Toto pour lui dire, mon général, il faut signer la réquisition. Si les gens la sortent, vous signez la réquisition pour que on fasse usage des armes. Mm-hmm. Parce que tant que les militaires qui m'écoutent, ils le savent, tant que la réquisition n'est pas signée lors d'une manifestation, on ne peut pas tirer. Même les coups de sommation ne peuvent pas être tirés. Il faut qu'on signe la réquisition qui donne mandat aux forces armées de tirer sur la foule en cas de nécessité. Ouais. Donc, l'ordre ne peut être donné que par le chef d'État, le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité ou bien le chef d'état-major général des armées. Donc, c'est à ce titre que Toto aussi a signé la réquisition connaissant la relation entre Papa Coli et le président. D'accord. Donc, il a pris le risque de signer la réquisition
Et c'est à cause de ça, Toto a été inculpé, parce que tout le massacre qui s'en est suivi, c'est parce que l'ordre a été donné de tirer sur la foule. C'est Toto qui a donné l'ordre de tirer sur la foule. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la réquisition. D'accord. Les conséquences, vous les connaissez. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La commission d'enquête arrive à Conakry. On demande à Papa Coli. Comment il s'appelle? On a inculpé d'abord le général Toto. Quand les soldats qui ont été arrêtés, on dit qui vous a donné l'ordre? Alors, ils ont dit que c'est Toto qui a donné l'ordre de tirer. Ouais. On appelle Toto. Toto dit que c'est Papa Coli qui l'a appelé de Nzérékoré pour signer la réquisition. On appelle Papa Coli. La commission a appelé Papa Coli. C'est cette commission qui a énervé Toumba au point que Toumba est sorti de là-bas pour aller tirer sur Dadis. C'était lors de ces enquêtes-là. On appelle Papa Coli, on le confronte au général Toto. On dit à Papa Coli, monsieur, Toto, vous dites que c'est Papa Coli qui vous a donné l'ordre de signer la réquisition. Il dit oui. Vous le confirmez devant lui. Il dit je le confirme. On demande à Papa Coli. Monsieur Papa Coli, c'est vous qui avez donné l'ordre au général Toto de signer la réquisition. Papa Coli dit non, qui n'a jamais donné d'ordre au général. Ah, le général dit, papa, tu ne m'as pas donné d'ordre? Il dit, bon, c'est très simple, monsieur les membres de la commission. Laissez-moi poser, permettez-moi de poser certaines questions à monsieur Toto. Il dit, oui. Il dit, mon général, vous avez quel grade dans l'armée? C'est Papa Coli qui pose la question à Toto. Ouais. Mon général, vous avez quel grade dans l'armée? Il dit, j'ai le grade de général. Il dit, très bien. Vous occupez quelle fonction dans le gouvernement? Je suis ministre de la Sécurité. Très bien. Vous occupez quel rang au sein du CNDD? Il dit, je suis le premier vice-président. Après, le président, c'est moi. Il dit, très bien. Il dit, maintenant, on revient à moi. Monsieur mon général, moi, Papa Coli, j'occupe quelle fonction dans le gouvernement? Il dit, vous êtes ministre de l'Environnement. Très bien. Quel est mon grade? Non, vous êtes civil. Très bien. Quel est mon rang dans le CNDD? Non, vous n'êtes pas membre du CNDD. Il dit, bon, monsieur les enquêteurs, tout est répondu. Petit civil que je suis, ministre de l'Environnement que je suis, je peux donner des ordres à un officier supérieur de l'armée de tirer sur les gens, il tire. Le gars a dit là, il a illallah Muhammad Rasulallah. Eh, papa! Donc, Toto est inculpé comme acteur. Oui. Papa Coli est inculpé comme témoin. Vous voyez l'injustice? Vous voyez l'injustice? Bien évidemment. Ben, donc, Toto est sous le choc là. Parce que là, s'il voyage, lui, comme Tchegro et consort, s'il voyage, on peut les arrêter à l'international parce que Conakry ne veut pas juger l'affaire. Bien évidemment. Donc, si Papa Coli aussi était inculpé comme acteur principal, ben il serait arrêté. Lui, il voyage parce qu'il est inculpé comme témoin. Et Thibault aussi est inculpé, c'est que vous ne savez pas. Parce que c'est le téléphone de Thibault que Dadis a utilisé ce jour pour appeler Sidia. Manja. Et dans les enquêtes, parce que Thibault était ministre conseiller de choses. Donc, il était assis à côté. Dadis prend son téléphone. Il dit, appelle-moi là-bas, Sidia. Donc, qui a le numéro de Sidia? Thibault dit que c'est lui, là. Donc, Thibault appelle Sidia. Sidia m'entend. Hein? Ceux qui disent que je suis en train de mentir, tout le monde m'écoute. Parce que les personnages, ils vivent encore. Ah oui, bien sûr. Donc, Dadis dit, qui a le numéro de Sidia? Il dit, moi. Donc, c'est comme ça qu'il a appelé Sidia. Avec le numéro de Thibault. Et donc, Sidia connaissait le numéro de Thibault. Dans les enquêtes, c'est Sidia qui a donné le nom de Thibault. Il dit, Dadis m'a appelé avec le numéro de Thibault. Tout le monde se souvient, à un moment donné, Thibault a été interpellé. Voilà. Thibault a été interpellé par la commission parce que son nom a été cité dans l'affaire par Sidia, qui a dit qu'il reconnaissait le numéro qu'il a appelé parce que dès qu'on l'a appelé, le nom est sorti.
C'est vrai qu'il n'a pas parlé avec le titulaire du numéro, il a parlé avec Dadis, mais il connaissait ce numéro. Ce numéro lui était familier parce que c'était le numéro de Thibaut. C'est là l'inculpation de Thibaut aussi. Donc, si Thibaut s'accroche, si Thibaut s'accroche à son poste, il sait que s'il n'est pas protégé par Alpha, on peut l'arrêter à l'international. Bien évidemment. Il est inculpé. Au moment où il était réfugié, il venait en France librement partout, bah, il n'y avait pas de souci. Mais c'est quand il était ministre là qu'il a été inculpé. Ça a même surpris tout le monde qu'on puisse convoquer un ministre de la République. Ça a surpris tout le monde et les gens même ont pensé que Alpha veut le débarquer. Ouais. Mais c'était plus fort que Alpha. C'était la commission internationale, la commission rogatoire. Donc, il ne pouvait pas refuser d'aller répondre. D'accord. Donc, Toto est parti aujourd'hui avec beaucoup de regrets. Toto est parti aujourd'hui avec des chocs. À un moment donné, Alpha avait nommé sa femme au poste de ministre. Lui-même, il a été limogé. Après, sa femme a été limogée. Ils sont vraiment dans une situation catastrophique. Et Toto est stressé parce qu'il est cité dans un dossier sale. Il n'a pas la conscience tranquille. Lorsque on impute à une personne la responsabilité de la mort, de l'assassinat crapuleux de plus de 400 Guinéens, vous imaginez, les portées disparues après, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les portées disparues là, on va les retrouver maintenant? Jamais. Il y a eu des charniers. KPC aussi a été inculpé à cause des charniers. Et c'est Thibaut aussi qui a négocié ces véhicules-là. Alors, Mandjan, c'est important ce que j'explique là. KPC est inculpé parce que quand il était en train de construire la cité qui est à 100 fils, des postes de télécommunication qui est à 100 fils, ce sont ces camions-là qui ont été utilisés. Thibaut était encore à côté de Dadi ce jour-là. Ouais. Il m'a dit comment on peut ramasser les corps-là et aller les mettre en brousse. C'est Thibaut encore ce jour-là qui a appelé. Il dit ah non, KPC est très d'accord avec le général Sekouba. On peut l'appeler. Donc, c'est comme ça. C'est Thibaut qui a encore fait la médiation entre Sekouba et KPC pour avoir les véhicules, les camions de KPC. Donc, ce sont les camions de KPC qui ont servi au transport des charniers là pour aller faire des fosses communes. Les enquêteurs savent qu'il y a fosse commune. On est en train de chercher l'emplacement exact de la fosse commune. Mais KPC dit devant la commission que ces camions ont été utilisés, mais pas ces chauffeurs. C'est des militaires qui ont conduit les camions. Et ils ne pouvaient pas refuser. C'est le gouvernement qui lui demande ces camions. Donc, c'est des militaires qui ont conduit, mais les camions appartiennent à KPC. Le dossier est trop lourd. Je comprends pourquoi Alpha ne veut pas faire de jugement, il ne veut pas faire d'enquête. Et je comprends compliqué. Ouais, je comprends pourquoi M. Toumba Diakité, il croupit encore en prison. Je comprends pourquoi. J'en ai parlé. Tout ce que je te dis là, j'en ai parlé aussi avec Toumba à Dakar. Et les Guinéens savent aujourd'hui que ce dossier ne sera jamais, il n'y aura jamais d'enquête au temps d'Alpha Condé, il n'y aura jamais de jugement au temps d'Alpha Condé. Alors, M. Mandjan, s'il y a une dernière question par rapport à une question encore que bon nombre de Guinéens se posent aujourd'hui, il y a un problème là. Vous savez bien que moi, que dans la constitution guinéenne, que ce soit la constitution de 58 ou la constitution de l'Ansana Conté ou la constitution de 2010 ou celle que Alpha Condé vient de mettre en place, c'est qu'en cas de vacance de pouvoir, en cas de décès du président de la République, c'est lui qui est censé assumer la fonction et organiser les élections. On sait évidemment que c'est le président de l'Assemblée. Mais il se trouve aujourd'hui que Mohamed Diané a un tel poids au sein du gouvernement que ça pose un problème. Donc, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, en cas d'une telle situation, est-ce que la loi sera respectée? Est-ce qu'on laissera... Bon, monsieur Fama, je vais t'interrompre tout de suite parce qu'on a pris suffisamment de temps de nos auditeurs. Ouais. Quand bien même il y en a qui nous insultent, moi j'aime bien ceux qui nous insultent. Donc, je vais vous dire tout de suite qu'après Alpha Condé, il y aura une transition. C'est obligatoire. Tous ceux qui sont en train de se positionner là, ils perdent leur temps. C'est un éternel recommencement encore qu'on va voir. L'armée ne va jamais accepter Damaro. Damaro ne sera jamais accepté. La loi dit que c'est Damaro. Ouais. Mais je crains bien une guerre civile et que Dieu nous en épargne. Ouais, amen. Le pays souffre suffisamment déjà. Avec une guerre civile, on ne le souhaite pas.
Parce que les Koniakés, ils sont minoritaires. Mais ah, il faut faire attention. Ouais. Parce qu'ils peuvent se dire que c'est leur tour aussi. Mm. Voilà. Que donc, même il y a des Koniakés en Europe ici, hein, avec lesquels j'en ai parlé, qui disent que ah, si Alpha meurt et qu'on blague, on n'accepte pas la succession de Damaro, que ça va barder. Parce alors, que selon la... lui quand même. C'est lui. Mais le clan de Gané, le clan de Gané, le clan de Traoré, Namori, ils vont jamais accepter. Même Namori est en train de se positionner. Hein. Bah oui, Namori n'est pas dans le même camp que Gané. Il le suit à l'heure là pour juste pour préserver son poste. Mais Namori a son propre plan. Et si Alpha partait aujourd'hui. On connaît la position des Bafoué, des Fabou Camara et des mais, Bafoué est Koniaké. Fabou est Koniaké. Comment il s'appelle? Le ministre de l'aménagement du territoire, de choses, de la ville, Ibrahima Khalil, Ibrahima Kourouma, docteur Ibrahima Kourouma est Koniaké. Lucien Camara, Koniaké. Le ministre de la sécurité, Damantan, Koniaké. Kegbro, Koniaké. Il faut faire attention. Ils sont dans le système. Ils connaissent le système. Ils connaissent les faiblesses du système. Bien évidemment. Ils connaissent les faiblesses du système. Mm-hmm. Donc, si le système s'écroule aujourd'hui en plein jour, il faut faire attention. Bien évidemment. Moi, je crains bien l'affrontement des camps. Oui. Il y aura des affrontements. Omer Diané, qui est ministre de la Défense, il a son clan. Et le clan est aussi fort, le clan est puissant. On ne va pas le nier. Et je ne pense pas qu'il peut, ce clan-là peut laisser Damaro assumer l'intérim, voilà, organiser les élections, tout ça, nanani, nanana, on sait comment ça peut se passer. Et Damaro aussi est prêt à taper la table pour dire, écoutez, je suis le président de l'Assemblée, c'est moi qui dois faire la vacance du pouvoir, c'est moi qui dois organiser les élections en cas, ok, de mort d'Alpha Condé ou en cas de force majeure. Ben voilà, il y a un problème qui est là aujourd'hui, c'est un problème réel, parce que il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des Malinké qui ne sont pas prêts à accepter Damaro, même dans le camp de c'est de ça que je te parle. Mais il y aura absolument une transition. Je sais pas maintenant ça qui va clair. Piloter la transition, si ça sera Namori, si ça sera un soldat, mais en tout cas après Alpha ça sera le même scénario qu'après Lansana Conté. Et maintenant, il reviendra au président Selouda Lengalo d'exiger des élections libres et transparentes, soit par la communauté internationale. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'il y ait la moindre transparence dans une élection. Qu'il y ait la moindre transparence. Un problème de connexion avec notre cher frère. S'il y avait eu la transparence, c'est le AI plus de 53% lors de la présidentielle passée. Donc, il suffit qu'il y ait la moindre transparence pour mettre à nu, pour mettre sur la place publique la popularité, mais l'estime, la confiance, l'affection du peuple de Guinée envers M. Selouda Lengalo. Le peuple l'a déjà prouvé. Mandian, il y a quelqu'un qui me signale qu'il ne faut pas oublier aussi le clan de Kassori Fofana. Non, Kassori n'est pas puissant. Il n'est pas inquiétant. Non, ça Kassori n'inquiète pas. Kassori n'est pas... Dans son propre village, d'abord, il n'est pas populaire. Ben, lui, il ne peut pas. C'est vrai, il va chercher à se positionner. Chacun cherche à se faire plaisir. Voilà. Donc, qui est fou? Il n'est pas interdit de rêver, hein, à Kassori. Il ne lui est pas interdit de rêver. Évidemment. Voilà. Tout le monde peut rêver. Ah, d'accord. Alors, M. Mandian Sidibé, on ne va pas vous retenir encore longtemps. Justement, un dernier mot aux nombreuses personnes qui nous suivent actuellement et à toutes ces personnes qui partagent la vidéo à chaque fois que je lance. Un dernier mot pour au peuple guinéen et voilà un dernier mot sur la situation pour qu'on puisse vous laisser et se dire au revoir. Bon, moi je vous remercie. Il y a quelqu'un qui me parle d'ethnie, que moi je parle d'ethnie. Je n'ai jamais parlé d'ethnie ici. Je suis en train de citer les dissensions internes au sein du RPG. Du RPG. C'est-à-dire
voilà, l'opposition entre Malinké et Konyaké. Mais ça ne veut pas dire que moi je parle d'ethnie. Non. C'est parce que les Malinkés pensent que leur pour le pouvoir là, c'est pour eux. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu donné. Et donc, il faut perpétuer. Quand Alpha part, il faut un autre Malinké. Bah, si je parle d'ethnie, c'est peut-être dans ce sens-là. Et donc, je suis en train de dire que les Konyakés aussi sont en train de se positionner pour dire que c'est leur tour. Mais la Guinée n'est pas une question de tour. La Guinée n'appartient à aucune ethnie. La Guinée appartient à toutes les ethnies. Exactement. Toutes les ethnies s'équivalent en Guinée. Mm-hmm. Personne n'est supérieur à l'autre. Donc, moi, je ne parle pas d'ethnie. Si je parle d'ethnie, je ne serai pas avec Selou Dalin. Je ne parle pas d'ethnie. Tout le monde me connaît pour ça. Moi, je ne suis pas ethno. Je ne suis pas dans les considérations ethniques. Et donc, je présente mes sincères excuses à tous ceux qui ont été choqués par mes propos ce soir. Mais c'est la vérité. Ça va choquer. Mais je ne dis que la vérité. Et si un jour, il y a jugement dans l'affaire du 28 septembre, les gens comprendront que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui est vrai. Et j'ai parlé avec des acteurs principaux du 28 septembre. Mm-hmm. J'ai échangé avec eux. Et donc, je ne parle pas de blabla. Je ne raconte pas de blabla ici. Tout ce que je dis par rapport à ce dossier, c'est évident. C'est évident et c'est réel. D'accord. Donc, je remercie tout le monde. Ouais. Je présente mes excuses à ceux-là qui ont été choqués. Et merci encore à ceux qui m'insultent. Ça me requinque le moral parce que je vois qu'ils sont nombreux à m'insulter. Ça veut dire qu'ils m'ont écouté. Donc, moi, le message, c'est que j'ai été écouté. Merci d'avoir écouté. Insultez-moi jusqu'à demain. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Merci. Je vous aime. Je vous kiffe. Bonsoir à tout le monde. Et merci beaucoup, M. Mandjan Silibé. Merci également à tout le monde. Et on se quitte en même temps parce que moi, je n'ai plus rien à dire. Et voilà, dans les jours prochains, on va essayer encore de récolter des informations et faire quelque chose encore de spécial pour le peuple de Guinée. Et donc, à très prochainement. Et on vous love.